Bon matin tout le monde, dimanche 11 avril 2021, 11 avril. C'est rare, mais je filme ma recovery run aujourd'hui. J'avais prévu filmer ça au Mont-Saint-Bruno, mais hier j'ai fait 50 km, puis mes talons ils ont pas aimé ça dans les côtes. Donc prends ça relax ce matin. Je vais filmer un petit peu ma recovery, puis ça va être ça mon vidéo ce matin. Donc à plus tard. Là, hier, je suis monté le Mont-Royal au 22e km, puis mes deux talons, ils ont commencé à faire assez mal, ils font mal ce matin quand je jogue. Donc je vais relax. J'ai pris mes souliers les plus mous. En fait, c'est des mats sport. C'est la deuxième fois que je cours avec. Je les ai achetés pour essayer de faire des long runs, mais malheureusement, soit qu'il y a eu une erreur dans la fabrication des souliers, ils sont faits sur mesure. J'ai demandé des 11, on en a des 11 style quelle compagnie, parce qu'il y a beaucoup en train de pied. Ben comme les Kinvara 11, qui sont des 45 et 1 tiers européens. Ben, ceux que j'ai, c'est des 11. Le Matsport, c'est des 44 européens. Ils sont assez flush au niveau des orteils. Je comprends rien, mais faire leur soulier. J'ai des 11 de plein de compagnies, sur des 45, 45 et 1 tiers. Eux, c'est des 44. Beats me. Anyway, il faut quand même. Là, je plus quand j'ai les pieds enflés comme ce matin, fait que je ne peux pas les prendre pour les grosses sorties. Après, pour mes recovery et mes courtes sorties. À plus tard. Donc, ce que je retire hier de ma longue sortie de 50 km, c'est que je dois plus entraîner mon corps pour les monter. C'est pas que c'est difficile de faire la montée, je supporte bien cardio, même musculaire, ça allait relativement bien. Mais vraiment, au niveau de mes tendons, ils ne sont pas habitués. Je ne peux pas me claquer une tendinite dans les talons, fait que je vais relax. C'est la vie. Il me reste encore quelques mois à me pratiquer là-dessus. En tout cas, j'espère que nos courses vont avoir lieu. Parlant de course. Comme je disais à la dernière vidéo, j'étais inscrit à 4 ultras cette année. Ça semble que j'étais inscrit à 3 finalement. Le quatrième qui était le 50 km près du coureur. J'ai appris cette semaine en allant sur le site que le site n'existait plus. Je veux dire que j'aurais écrit aussi. Finalement, ils m'ont dit qu'on recevrait un courriel bientôt parce qu'effectivement il est annulé. Qu'il allait avoir des distances plus courtes à la place. Bref, je sais même pas ce qui se passe non plus. On pouvait s'inscrire, mais là il n'existe plus. Bravo! Je comprends là, le niveau de la COVID, ça me plaît, c'est juste ça fait chier. Mais c'est la vie. Enfin bref, on va voir c'est quoi les options qu'il y a. C'est un 35 km. Ouais, je pourrais le faire, ça me prend au moins une course en forêt avant mon Gaspésia 100. Mettons que. J'espère juste que les autres courses que je t'ai écrites ne seront pas annulées ou déplacées. Message aux organisations. De prévoir d'avance. Je sais que vous ne pouvez pas nécessairement cause de la COVID, mais c'est un peu décourageant des fois. Mais je disais, c'est vraiment 10 heures semaine mon entraînement. Plus un peu de muscu que je fais. Puis je vais en mettre plus encore dans les prochaines semaines. J'aimerais savoir si vous venez des courses pour lesquelles je m'entraîne ont lieu. Enfin bref, on se revoit plus tard. Bye bye! Bon, je suis à 7 km. Mes talons me font mal. C'est pas cool. Mais bon, là, je m'en attendais, fait que ça je vais relax. Côté température. Hier, quand j'ai fini de courir, il faisait à peu près 23, 22. C'était bien, il faisait chaud. Le matin, le vent, il est frais. Oh! Donc, c'est pas le fun. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Les petits outardes qui s'évitent. Bref, je devrais faire à peu près 9 km au total. Trop sur relax. Donc, je vais juste faire petit débrief à la fin pour dire exactement combien j'ai fait. Sinon, ben, on se revoit la prochaine fois dans une de mes longues courses. Bye bye!
Bon, ben, je suis revenu chez moi. 9,25 km, 51 minutes, donc j'ai poussé ça très relax ce matin. J'ai les mains complètement gelées comparativement à hier. Le vent est vraiment froid. Est-ce que je regarde pas mon chandail manchon le matin? Bref, ça va quand même bien. Mes talons sont corrects. J'ai mal un peu, mais bon, on attend un petit peu. Fait que demain, je prends ça relax, puis cette semaine aussi. Sinon, ben, on va se revoir la prochaine fois. Et bonne course tout le monde!